Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je fais le tuto d'une scrapeuse. Alors cette fois-ci, j'ai choisi donc pour cette nouvelle rubrique, je crois que je vais continuer de temps en temps, peut-être pas une fois par semaine, parce que ça fait beaucoup, mais peut-être une fois par mois de choisir un tuto d'une scrapeuse que je sais que j'ai de bons retours sous ces vidéos. Vous aimez bien ça et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc cette semaine j'ai choisi Angélique Mauroy qui est d'été chez les ateliers de Karine et j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'ai trouvé donc une petite carte qu'elle appelle pop-up, enfin une espèce d'escalier. Et je trouvais ça très mignon. Et donc on va le faire ensemble. Il n'y a rien de compliqué. Alors, j'ai déjà coupé mes petits morceaux de papier. Donc celui-ci fait 15 par 19. Et on va garder la chute de papier. Si vous entendez un petit peu mâchouiller ou des petits bruits un peu bizarres, c'est Mademoiselle Sky qui est en train de mâchouiller son os. Je la laisse faire parce que au moment qu'elle mâchouille, moi, je suis tranquille. Voilà. C'est une petite aparté. Voilà, s'il y a des jeux, si voilà, quand vous entendez, là, voilà, c'est qu'elle joue. Mais bon, elle est toujours avec moi, donc voilà. Donc, on va faire des plis. Donc, on commence par un pli à 2 cm. Ensuite, un pli à 4 cm. Ensuite, un pli à 6,5. Un pli à 9, un pli à 13,5, et un pli à 18. Alors Angélique, elle est d'été aussi chez Sokai, il me semble, et puis peut-être ailleurs, mais je ne me rappelle plus trop. Mais enfin, elle fait vraiment des choses très très sympas. Donc voilà ce qu'on obtient. Hop, maintenant, on va faire des petits pliages pour obtenir... Voilà. Alors Angélique ensuite a proposé de faire les angles en arrondi. Alors je trouve ça plutôt sympa parce que j'aime bien le rendu. Alors, moi, c'est pas le même outil qu'elle. Ouais, ça fonctionne quand même parce qu'il y a une double épaisseur, enfin même une triple. Hop, voilà. Donc voilà. Alors ensuite, la petite base qui va se coller ici, comme ceci. Ben, c'est pareil. On va faire les petits arrondis. Voilà. Et je vais choisir du papier imprimé pour décorer les petites parties visibles. Alors, j'ai coupé mes petites bandelettes. Alors, je prends moi toujours, je prends 0,4, 0,5 de moins. Voilà, donc ouais, j'ai pris toujours avec les petites chutes de papier de la collection P13. Là, j'aime beaucoup.
Alors, il va pas jusqu'en bas, mais c'est pas très grave puisque là on va le coller ici. Donc voilà, si ça va pas jusqu'en bas, c'est pas très grave. Alors moi j'y vais dans l'esprit de faire un petit peu un limo de la forêt, donc j'ai les tamponnages coco feeling que j'aime beaucoup et je vais mettre une petite touche de doré. Avant de coller, je voulais mettre des petites choses derrière moi. Voilà, elle le colle directement, angélique. Moi j'aimerais bien, comme mon papier, je ne vais pas le décorer vraiment. Elle fait une belle décoration de ses papiers. Moi je vais plutôt voilà, partir sur des petites choses comme ceci. Alors, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Donc ce sort beau sapin. Alors ça c'est un échange que j'ai fait de loaded envelope là, avec, avec une abonnée. Et du coup, elle m'a envoyé ça. Donc c'est super sympa. Je les trouve très jolis ces sapins. Donc je vais m'en servir. Voilà, pareil, elle m'a envoyé des petites. Je suis en train de chercher son prénom. J'ai fait deux échanges coup sur coup. C'est Sonia. Voilà, ça m'est revenu. Ouf. Donc voilà, j'ai ça aussi et je l'ai trouvé très sympa. Alors moi, j'en ai pas. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque. Il faudrait que je trouve, des dice comme ça. Donc, bonne année. Alors, il y avait année tout à l'heure et bah, je l'ai perdu. Hop, j'ai retrouvé mon bonne année. Je voulais mettre une petite biche en arrière-plan aussi.
coucou, on se retrouve le lendemain parce que j'avais plus du tout de luminosité pour vous montrer donc le résultat. Voilà, c'est trop chouette à faire, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à refaire donc vous aussi cette petite carte. Vous allez voir la sienne aussi, elle est très, elle a plein d'éléments, etc. Et c'est très très joli. Donc voilà, j'ai pas fait moi de petites décorations là parce que je vais faire mon petit mot et je le collerai après. Voilà, et puis voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop sympa. Vous allez avoir les photos. En attendant, je reviens vers vous pour le petit concours de cette vidéo. Donc c'est pour remporter ce petit tampon, un duo de tampons de chez Florilège Design. N'hésitez pas donc à commenter, à évidemment aimer ma chaîne, aimer la vidéo. Commentez ma vidéo avec je participe et puis ce que vous voulez mettre, voilà. Et puis je ferai le petit tirage au sort dans ma prochaine vidéo ou la vidéo qui a suivi. Mais de toute façon, pour voir les résultats, c'est soit sur mon groupe Chouette Fantasy Scrap sur Facebook ou alors je joins, voilà, je réponds en fait aux petits commentaires donc de l'abonné pour lui dire qu'elle a gagné. Donc du coup, pour le deuxième petit concours, j'ai... voilà, tiré au sort, donc voilà, c'est le... Alors je sais plus, c'était oui, sur la vidéo de Selma. Voilà, j'ai fait le tirage au sort. Et c'est... alors attendez, Auré Créa qui a gagné donc le petit set de tampons. Voilà, n'hésite pas à me joindre donc sur mon adresse mail chouetteflo@orange.fr pour me donner tes coordonnées. Et puis, évidemment, on sera accompagné d'une petite carte. Et puis, ben, moi, il me reste juste à vous dire de passer de très, très bonnes fêtes. C'est ma dernière vidéo pour, voilà, Noël, avant Noël. Voilà, passez de très, très bon Noël. Voilà, avec vos familles, faites attention à vous. Et puis, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bye, bye!